La chose la plus simple et la plus fondamentale que vous puissiez faire dans votre vie, c'est d'être la vie, toujours. Vous n'avez pas à être d'une quelconque façon particulière, vous devez juste être vivant. Tout le reste, y compris le corps et le mental, sont des accessoires de la vie. Les accessoires sont ajoutés à la vie pour faciliter certaines choses. Pas pour éclipser la vie. On ajoute des accessoires pour faciliter, pour ajouter et améliorer, pas pour éclipser complètement, pas pour occuper la vie, mais pour augmenter la vie. Si vous savez cela, et le savez à chaque instant de votre vie, que tout ce que vous possédez, y compris votre corps et votre mental, sont des accessoires, ils ne sont là que pour augmenter cette vie, pas pour occulter cette vie. Oh, montrez-moi comment vous allez déprimer. Vous devez vous mettre au diapason de la vie. C'est tout ce que vous devez faire. Ce qui est vous, ce qui n'est pas vous, doit être distinct. Donc, tout ce qui n'est pas vous, quand vous le tenez, vous devez le tenir d'une certaine façon. Bien sûr, selon la nature de ce que c'est, si c'est une fleur, on la tient d'une certaine façon. Si c'est un récipient, on le tient autrement. Si c'est un stylo, on le tient autrement. Peut-on utiliser la même prise pour tout? Ce n'est pas la même, selon la nature de ce que c'est. Mais toutes les prises que vous utilisez, si vous remarquez comment vous tenez quoi que ce soit en l'occurrence, il y a toujours cette dimension que vous pouvez relâcher la prise et laisser aller. Supposez que vous tenez quelque chose et que vous ne pouvez pas desserrer la prise. D'accord, vous vous dirigez vers le truc. Donc, regardez juste ces choses. Combien de choses dans votre vie sont comme ça, que vous les avez tenues et maintenant vous ne pouvez plus desserrer la prise? C'est 2 mois. C'est tout ce que vous devez faire, consciemment. Ne le dites à personne. Ils vont tous vous combattre. Ils pensent que vous allez les quitter et partir. Ils pensent que vous allez prendre Sanya et ils pensent telle et telle chose. Non, en vous-même. Rien à faire à l'extérieur. En vous-même, comment vous les tenez? Pour ça, une simple chose, c'est cela. Demain matin, vous allez mourir. Je suis très généreux, je vous donne 24 heures. Oui. La nature de la vie est telle qu'elle ne vous garantit jamais 24 heures, mais je vous donne 24 heures. Demain matin, vous allez mourir. Faites ce que vous voulez. Vous allez desserrer toutes les prises, n'est-ce pas? Faites ce que vous voulez. D'une façon ou d'une autre, vous allez desserrer toutes les prises. Vous avez vu dans les films hindi? Non? Vous n'avez pas vu les films? La prise est desserrée. Fini. Desserrez la prise sur votre corps, desserrez la prise sur votre mental, vos pensées, vos émotions. Desserrez juste un peu la prise. Quand vous êtes vivant, si vous desserrez la prise, vous allez devenir exubérant. Quand vous mourrez, ça va de toute façon arriver, la dernière scène. Donc ces 2 mois, vous devez en faire usage pour desserrer la prise sur tout. Je suis un dur à cuire, donc je l'ai appris à ma façon. Mais ces jours-ci, je vois que tous les entraîneurs de golf disent à leur, peu importe les stagiaires, ceux qui veulent apprendre, ceux qui jouent depuis longtemps aussi, ils leur apprennent, il faut avoir une prise légère, vous savez, il ne faut pas serrer fort. Normalement, quand tu veux frapper quelque chose, tu veux serrer fort. Mais tu dois avoir une prise légère.
Cela va t'arriver. Si tu n'as jamais fait de vélo, la première fois que tu t'assois dessus, quand tu détends la prise, ça roule bien, n'est-ce pas? Desserrez-la juste. Vous verrez, vous allez bien conduire votre vie. Trop serré. Vous avez vu le cycliste débutant? Il ne va nulle part. Donc, vous devez desserrer la prise.